Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le gameplay dans lequel j'ai battu pour la toute première fois le boss du nouveau raid, Fléau du passé. D'ailleurs pour moi ça ressemble beaucoup plus à une entre-deux raids qu'un raid. Voilà, il n'y a que 3 étapes dans lesquelles on loot. Il y a une quatrième étape qui est l'étape des passereaux, mais il n'y a pas de loot, il y a un coffre caché mais il est nettement en dessous de notre puissance. Du coup il n'y a uniquement que 3 loots intéressants dans ce nouveau raid et je le trouve vraiment très court. Alors bien évidemment la première fois on met du temps à tuer le boss, il faut trouver un petit peu les stratégies, comment ça se passe, notre puissance est assez bas, mais vous allez voir que quand on sera tous 650, pour moi hein, je pense que ce sera le raid le plus facile de Destiny 2. Après, ce qui est sympa bien évidemment c'est la nouvelle mécanique, la map est assez grande, on peut prendre le passereau, c'est assez sympa, ça change un petit peu, mais voilà, pour moi c'est un petit peu court, je m'attendais à un truc un petit peu plus long. En tout cas voilà, je vous présente le gameplay dans lequel on a pu battre donc le nouveau boss. J'étais accompagné sur ce gameplay donc de Royce, de Jump, de Mirva, de Silicone et de THE Grid. Alors il y avait déjà 3 personnes qui l'avaient fini, il y en avait 2 qui l'avaient fini une fois. Et THE par contre lui il a bombardé, il fait partie de la RQS Eterna, je crois qu'il avait fait une quinzaine de fois déjà le raid. Donc voilà, il connaissait la strat, c'est lui qui nous expliquait un petit peu comment ça se passait. En tout cas je suis bien content d'avoir réussi. Alors dans le gameplay j'étais niveau de puissance 634, si j'ai pas de bêtises, c'est vraiment très intéressant, puisque j'ai looté un item à plus 11 de puissance. Voilà, c'était pareil d'ailleurs pour toutes les étapes du raid, donc ça aide beaucoup. Et je pense que pour pouvoir réussir cette étape il faut être au moins 631. Voilà, c'est assez intéressant d'être au moins 631 pour le boss, puisque l'étape est 650. Et bien évidemment une fois qu'on aura tous passé les 640 de lumière, on se fera plaisir, on va commencer à mettre beaucoup plus de dégâts. Je vous ferai également dans la semaine des vidéos tuto de chacune des étapes, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je veux juste refaire le raid plusieurs fois pour bien maîtriser et vous donner des petits tips, parce que voilà, ça se peut qu'il y ait des petites astuces qui sont assez intéressantes à vous donner, et j'attends de pouvoir le refaire plusieurs fois avant de me précipiter et d'aller trop vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec nos commentaires en direct. Alors, il était assez tard également, on ne parle pas beaucoup, on parle pas très fort, mais voilà, l'intérêt c'est de voir un petit peu comment ça se passe. Et voilà, pour ceux qui ont jamais vu le boss, au moins vous verrez à quoi il ressemble. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Je vous souhaite un très bon visionnage, prenez soin de vous, tchuss. Il y a encore un mob dedans? Oui. On a les mobs dans le bac. Cache-toi. Okay, je rentre. J'ai pas ma faille, ça casse les couilles, tu vois. Annonce. Oh non, ça va pas faire comme tout à l'heure. Non! Aïe! Du coup, à droite, tu auras pas de faille, hein, rip. Ça. Je te laisse prendre le tank? Oui. Dégâts, attaque. Ah, ici, TPS. Quoi? Non, bah, c'est quoi ces petites box de merde? Je tape l'épée alors que je suis près de mon côté. Vous avez pour la faille à droite du coup hein. C'est terrible. On est midlife. Oh, midlife en vrai. Ah, je l'ai bien démonté en plus. J'ai de la chance en DPS. Moi j'ai fait que de bouger. Moi non, justement. La merde au premier gros truc, mais au deuxième. À gauche, middle CD. Ah ouais, d'accord. Voilà. Waouh. Magnifique. Alors celui-là c'est le pire par contre. C'est bon. Je l'ai touché. Absolument pété le deuxième maraudeur. Moi je l'ai pété. Cache-toi. Le dos c'est derrière moi. Vas-y go, je vais derrière. Le dos c'est pété, j'ai pété le dos. T'as pété le dos? C'est bon. Ouais. Il est boss, il est parti hyper dans les mecs. Bah il est où le berserker du coup? Bon j'ai tué, annonce. C'est moi. Ok. Berserker, il est milieu droit, je crois il a dit. Sniper en bas à droite. Attends, je me cache, t'es là, je suis pas bien. En bas à droite alors, c'est ça? Ouah, qu'est-ce qu'il tire sur Silly gros?
C'est un délire. Putain, hein. Je vais te mettre ma faille pour pas crever. Hein. Je suis désolé, j'aurai pas de faille encore, mais c'est obligé. Trop mob. C'est un trop gros délire là. Le poste il est où les gars? Je vais au fond, je vais au fond. TH, TH, tempo, 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 TH. Gaffe au boss. Le boss il reste beaucoup les gars sur le boss. Ouais, le boss il reste un bobo. Il reste l'épaule. Ça c'est lequel? L'épaule. L'épaule. Ça doit être. Ça, je sais pas, ça doit être long. En haut. C'est mon épaule est faite. Les deux en haut. C'est bon, il a plus de bouclier. Ouais, il a plus, il a plus. Tuez vos snipers là, tuez les snipers en haut à droite. Il y en a deux en haut à droite. Je les vois pas. J'en ai un. Ici il est un peu derrière moi. Waouh 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 waouh. Du coup pas de faille à droite encore. Hein. Sorry. DPS les gars. La faille au milieu, pas de faille. Y'a pas. Y'a un mob qui me tape. Bon, il est mort. Angulaire. Angulaire. Putain, rip! Ok, les gars. Oh, les gars. Dernier passage. Y'a moyen. Concentrez-vous. Hein. Concentrez-vous. Faillez pas vous, Berserker, c'est bon. J'ai plus de cul. La gauche est vide encore. Ah, pas trop le passereau, putain, je suis prêt. Je sais pas, mon super gros Berserker. Je peux tirer une balle de snipe, tout ce que je peux faire. Regarde, maraudeur au fond, attends, je vais pète. Cache-toi. Il est mort, maraudeur. Cache-toi encore. Vas-y, go. Fais gaffe, prends ton temps, attends, je vais mettre une frappe. Ok. Et je prends. Waouh! Les gars, faut nous aider sur le boss. Indiquer. Ah non, annoncer. Ok. Et moi? Et prochain. Et Berserk. En bas à droite? Ouais. Tiens, je ne meurs pas, j'arrive. Vite en arrière, gars. Genre, je meurs. Tiens, je te mets un bouclier. Le bouclier du boss il reste à genoux devant. J'en ai bien besoin. J'ai plus de snipe. Putain, il se cache. Ouais. Ok, attends, TH, je le regène. Je suis au fond. Là, le bouclier, l'épaule, elle. J'ai presque plus de vie, les gars. Le genou aussi, les gars, le genou. L'épaule, elle est pétée. Il reste un genou. Que les genoux, les gars. Genou droit. J'ai plus de balles. C'est bon, j'ai plus de balles. Annonce. En haut. Les deux en haut? Non. La go en gauche. Une faille. Serviteur à droite. Attention. Allez, c'est qui? Non, capitaine. C'est pas grave. Fais gaffe, il a méga attaque, fais gaffe. Fais gaffe, Yoda. Ok. Et t'es à chaque fois tu veux. DPS. Quelqu'un le la matière. Il est mort. Clairement il est mort, j'ai pété tous les snipers. Allez. Et j'ai les gars. Voilà. GG. Allez, t'en fous, là j'ai dépassé les 10 millions, gros, c'est sûr. J'ai tryhard comme un bâtard. C'est sûr, les j'ai tiré qu'un impulsion. Moi j'ai des. Mais gars, j'ai dû dépasser aussi les 10 millions, frère, c'est pas possible. J'ai tiré qu'un impulsion. T'as la principale, hein. J'ai tiré qu'un principal. Attends, la principale.
Oh non, il m'a redonné la même chose. Il m'a redonné. Il m'a donné l'éclaireur en god roll. Il t'a donné. Et c'est quoi le god roll sur l'éclaireur? C'est le temps de tir automatique, moment zen. C'est ça un god roll? Ouais, putain, ça l'autre. Ouais. La vache. Mais il est bien? Bah, je sais pas. Je teste. Bah, moi je l'utilise. Ouais. Je l'utilise, mais c'est celui-là que j'ai en god roll, moi. Mais j'en ai deux maintenant. J'ai les deux mêmes. Ah, il est pas mal, il tire vite, hein. Je sais pas si t'as un cette habilité. Ah, ça peut être cool ça en vrai moment rien. Bon bah c'est cool, TH. Ouais, merci les gars, GG. Hein. Mais toi,